Salut à tous! On se retrouve pour tester une console que je connaissais pas jusqu'à l'an dernier, jusqu'à ce que je découvre un Humbrew, un Castlevania dont je vous avais parlé, sur cette magnifique console qui a aussi un jeu Sonic. D'ailleurs, j'ai pas encore ouvert. Hein. La Gamecom! Une console noir et blanc, faite par Tiger. Tiger, les jeux LCD. Voilà, c'est mon ami Spyro le Dragon, la chaîne qui déboîte, qui me l'a envoyé. Encore merci Spyro, comme je vous expliquais récemment. Voilà, c'est grâce à vous, m'envoyer des produits à tester et à prêter. Hein. Des produits que je trouve des fois pas trop chers. Je peux vous montrer des choses intéressantes. Parce que j'aime bien vous montrer des produits en vidéo, mais si je peux le tester, c'est mieux. Et là, voilà, donc la Gamecom. Alors, tiens, je vais la sortir. Alors, oh, magnifique. Le jeu, je sais pas si vous verrez. C'est Centipede. Voilà, donc la console, j'espère qu'elle marche. Hein. J'ai pas encore testé. Je crois que Spyro m'a mis des piles. C'est une console portable, noir et blanc. Regardez, là je vous ai montré un petit clip de la console. Voilà, donc là vous avez un stylet. Bon, je préfère la DS que Sarah m'a offert. Hein. Mais je propose, écoutez, qu'on regarde de plus près la machine, le jeu qui est dedans. Je vous montrerai peut-être des jeux en émulation. Hein. Après, voilà, émuler ça, c'est quand même pas terrible. Je vous rappelle, moi j'ai fait le Castlevania. Mais je voulais voir cette machine que je connaissais pas. Peut-être que vous connaissez pas. Tiger, je connais, mais je connais les jeux LCD. J'avais testé le Sonic. Il y a eu le Sonic, il y a eu le Shinobi LCD. Voilà, c'est lourd quand même. Alors, je propose qu'on regarde de plus près. Bah, écoutez, la console, éventuellement qu'on voit si ça marche. Je vois qu'il y a deux molettes. Derrière, ça marche à pile. Et puis voir si c'est vraiment du brun. Hein, parce qu'apparemment, c'était pas terrible. Qu'est-ce que ça donne? Donc allez, vous le savez, je sors le plan de travail qui est juste là. J'installe tout sur mon bureau. Et à de suite, les amis. Et voilà, déjà la boîte de la console. Alors je vous préviens, on va s'attarder sur la boîte et la console en elle-même. Parce que vous allez voir qu'elle est très peu lisible et je vous montrerai un petit peu en émulation ce que peuvent donner deux ou trois jeux dessus. Donc la boîte qui a été préservée pendant des années par Monsieur Spyro le Dragon. Voilà, comme sur sa vidéo. Donc faut pas que j'y nique la boîte. On a quoi dedans? La Gamecom. Et en fait, je vous disais, c'est pas, je vous disais dans mon live, c'est pas un point, c'est une planète Saturne ici. Je sais pas si vous allez voir. Comme sur les Lego. Voilà. Donc une portable, portable vidéo gaming system, un système de jeux vidéo portable avec un écran tactile technologique et 5 fonctions en une. Alors il y a 6 images. Donc les fonctions c'est quoi? C'est le accéder au jeu. Ça fait funbook, livret d'adresse, un calendrier, un jeu de solitaire, les meilleurs scores et une calculatrice. Eh oui, contrairement à une Game Boy, c'est plus perfectionné. Par contre c'est sorti dans les 8 à 10 ans après la Game Boy, 8 à 9 ans. Je crois que c'est 97. Mais c'est beaucoup moins performant qu'une Game Boy. À l'arrière, on a quoi? Waouh, regardez! C'est beau! Le jeu de Lighthout, le calendrier, la calculatrice, le solitaire, comme sur Windows. Option Internet. Non, ça n'a pas Internet. Les scores qui sont sauvegardés. Donc là, il a joué aux Roues de la Fortune, à Lighthout, à Batman, à Duke Nukem. Et oui, parce que sur cette console, il y avait des licences. Sonic, Duke Nukem. Voilà, mais bon, ils ont fait de la daube. Qu'est-ce qu'on voit? Un écran révolutionnaire. Accès à Internet avec le modem en option. Sauvegarde automatique. Deux ports cartouches, oui, parce que alors je vous ai dit dans l'intro, j'ai pas encore ouvert la console, qu'il n'y avait qu'une cartouche de jeu, mais en fait, il y en a trois. Il y en a deux dans la console, une à part,
Et il y a les jeux intégrés, le jeu du solitaire. Une library of exciting game cartridge, des cartouches, enfin une librairie de cartouches de jeux excitantes. Oui. C'est pas très excitant, hein, je vous le dis. Alors je vous montre quand même la console, on va la voir après. Mais on va profiter parce qu'il y a les notices et les pubs d'époque à l'intérieur. Et voilà la console en gros, comme vous avez vu, donc là, le stylet. Bouton A, B, C, D. Menu, sound, pause, bouton on, off. La croix. Et ici, voilà ce que j'avais pas vu. On a deux ports cartouches. Donc sur le côté, on peut lire le nom du jeu, c'est Light Soul. Et là, c'est Fighter Megamix. Aris. Voilà, une cartouche de jeu. Le petit connecteur dedans. Et un peu comme l'Evercade versus la version de salon, ben là on peut mettre deux cartouches de jeu dans le bon sens, ça sera bien. Donc le bon sens, c'est comme ça, l'étiquette vers le haut. Voilà. Et ici, le local à piles, est-ce que c'est les mêmes piles qu'il y avait à l'époque? Je me demande c'est quoi ces piles, Spiro Big M. C'est quoi ces piles? Donc on a quoi? Ici le reset. Voilà. Là il y a un port de communication. Et je crois qu'il y a la molette, oui, pour le son et pour le contraste. Mais le contraste, ça sera dur. Donc avant d'allumer cette console, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Il y a la cartouche centipède que je ne testerai pas. Et des petits papiers. Voilà, la carte de garantie. Alors on a... mode d'emploi, je présume. Oula, mais attendez, il y a des papiers de partout. Ouais, c'est ça. Le mode d'emploi. La calculatrice. Les notices. Donc, on va faire attention à pas abîmer. Ça n'est point à moi. Ici, on a un petit papier qui nous dit quoi? Ah, voilà, ça nous dit que le prix de la cartouche de la roue de la fortune 1 et 2 est mal imprimé. Le prix suggéré était de 29,95$. On dirait un peu les pubs, vous savez, quand vous avez les pubs Auchan, Carrefour, Leclerc, vous arrivez, il y a marqué erreur sur le prospectus, qui est en voie de disparition. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est ça que je voulais voir. On a la console, oh, putain, l'écran, il est joli quand vous voyez ça. Donc, ça nous explique qu'on va pouvoir jouer avec le stylet, bien sûr. Regardez ce qu'il y a comme jeu, la cartouche pour aller sur Internet. Il y a Batman et Robin. Bon après je rigole mais je m'étais fait avoir avec le Master System, hein. Des fois vous aviez des photos de jeu et puis voilà le jeu était pas forcément terrible. Jurassic Park de Lost World. La compilation des jeux d'arcade avec Defender, Defender 2. J'arrive pas à voir, c'est écrit un peu petit. Mais les fameuses compilations de jeux d'arcade. Williams, arcade classique. Jeopardy, la roue de la fortune, donc ça je pense que c'est pas sorti chez nous. Ouais. Ah, les bons jeux américains. Mortal Kombat Trilogy, quand même. Alors, Indy 500. Et là, il y a Mortal Kombat Trilogy. Il faudrait que je le récupère en émulation, celui-là. John Madden, hein, que j'ai connu sur Mega Drive, il s'est égaré ici. Alors, moi, j'ai connu le 92. Là, c'est le 98. Ça vous donne une idée de la date de la console. Un jeu de basket. Ah, là on a Fighter Megamix. Voilà, le célèbre titre de Sega, un jeu de casino, hein, comme on a eu sur toutes les consoles quasiment. Ici, Henry joue avec des cases de couleurs. Allez voir la vidéo de Spyro, il y joue. Quiz, mais alors il n'y a pas le Sonic? Qu'est-ce donc? Eh ben non. Et puis apparemment, vous pouviez acheter une jolie mallette pour ranger vos cartouches, votre console, l'adaptateur secteur. Des casques, des écouteurs. Un magnifique modem d'époque. Y a pas la vitesse. L'adaptateur secteur et puis le câble pour lier deux machines. Je suis désolé pour les reflets. Et voilà, rien d'autre dedans. Et ça, c'est le mode d'emploi du jeu Light Out. Comment jouer? Oh, ça a l'air captivant. Hop là, comme ça. Voilà, donc je vous attendais tout, c'est de voir la console, comme je pense. Alors écoutez, la console, je sais pas comment je voulais filmer, elle a ouï ma tête. Et la caméra.
Voilà, ça va pas être évident, donc je vais l'allumer. J'appuie sur on. Voilà, vous voyez le Tiger. Je vais regarder pour les contrastes ce qui serait le mieux pour vous. Mais c'est vraiment chiant à filmer. J'avais déjà filmé un LCD Tiger, c'était horrible. Donc là, vous voyez, ça s'éclaircit. Et là, j'augmente des contrastes. Comme ça, je pense que vous voyez un petit peu. Donc, on peut utiliser le stylet, ce qui sera pas pratique pour moi puisque j'ai que deux mains. Ici. Le truc pour le phonebook. Alors, je sais pas comment on revient derrière. Ah, si, là, exit. Attendez, je vais prendre le stylet. Voilà, yes. Allez, yes. Ah, il faut appuyer en bas sur Enter. Le calendrier, le jeu de solitaire. Oh, une calculatrice. Ben, c'est magnifique. Comment on écrivait soleil à l'époque? Vous avez tous connu ça à l'école, vous mettez à l'envers, vous écrivez soleil. Ah, exit, c'est ici. Yes. Voilà, j'espère que ça rendra bien. Avec la caméra, ça fait penser un peu à la DS avec le stylet. Et puis là, on a les cartouches quand même, c'est l'essentiel. Voilà, donc là il y a Light Out et là il y a Fighter Megamix. Alors oui, j'ai mis un short et puis on m'a dit on voit pas grand-chose. Ah oui, je sais, mais c'est pas évident. La cartouche qui rentre, vous le verrez après en émulation. Alors je vais baisser un peu le son par contre. C'est dommage parce que la console était pas moche, je trouve. Enfin, elle prend de la... elle est lourde, hein. Vous voyez, le haut-parleur, il n'est pas gêné quand vous appuyez sur la croix. Et là, ouais, c'est le Fighter Megamix, hein, mais je sais, c'est flou. C'est flou quand ça bouge. Quand ça bouge plus, c'est pas flou. La musique, elle a l'air meilleure qu'en émulation. Vous verrez, j'ai eu des problèmes sur le Sonic en émulation. Donc, allez, j'appuie sur Start. C'est où Start? Il n'y a pas de Start. Ah, c'est le bouton là. Voilà, un mode. Je vais prendre notre fille. Parce qu'après, vous verrez, j'ai joué sur la console. Course B. Allez. Voilà, ça va pas être facile, hein. Donc, il y a coup de pied. Et je crois qu'il y a que deux touches qui marchent. Coup de pied, coup de poing. Je vais peut-être essayer le centipède finalement. Y a pas le Sonic, c'est dommage. Et vous voyez, il y a du tearing sur l'écran. Il ne distingue pas grand chose. Hein. Alors déjà que je vois pas très net, là c'est. On peut sauter? Ah, je suis KO. Ah, c'est assez horrible. Alors comment on vient au menu? Menu. Menu. Voilà, alors, on revient au menu de base de la console. Donc je vous l'ai dit, ça fait répertoire. Annuaire, est-ce que l'annuaire est à jour? Pas l'annuaire, le calendrier, je veux dire. Faut pas que je perde le stylet. 1997, avril. Ça date un petit peu, hein. J'avais 23 ans. C'est où le truc? Oh, je vois rien. Exit. Est-ce qu'il y a des highscores? Est-ce que notre ennemi Spyro a sauvegardé des highscores? 0 solitaire, 2 en Megamix, Light Out 27, centipède 000. Bah dis donc. Pas fameux ça. Le stylet. Donc allez, je vais changer de jeu. Voilà, ouais, le défaut de la console aussi, en dehors de sa piètre qualité, c'est qu'elle est lourde. Elle est bon, franchement très lourde. Par contre, le système des deux cartouches, c'est original. Donc je rallume. Waouh. En fait, il dit Gamecom, je sais pas quoi, il dit pas Tiger. Cartouche. Trop gros doigt. Et là, j'avais une grosse tête. Mais non, mais j'ai pas voulu lancer ça. Mais je veux pas lancer Light Out. Ah. Allez, menu.
Voilà. En plus, la touche menu, elle bug un peu. Hein. Oui, mais non. Mais il n'est pas reconnu le jeu Galaga? Bah, attendez, je sais ce que je vais faire. Voilà, j'enlève la cartouche Galaga, Lightout. On va voir si nous la centipède, quand même. Ou alors, il faut souffler sur la cartouche, c'est ce qu'il faut pas faire, vous diront certains. Ah oui, vous voyez, elle n'est pas reconnue la cartouche. Alors, dites pas Spiro que j'ai soufflé sur la cartouche. Ah, elle est reconnue. Ça marche toujours, les vieux remèdes. Il y a une belle musique. Allez. Centipede est une trademark of Atari. Ok. Alors, il y a copyright 99 et la console est de 98. Oula, il y a bien des options. Il n'y a pas longtemps que je regardais Pixel. Donc il dit Pixel que voilà qu'il faut pas tirer au milieu. Il dit qu'il faut tirer sur la tête. Le film Pixel. Hein. Qui est pas terrible, mais j'aime bien les visuels des Pixel 8 bits, quoi. Donc ça, je présume que le truc en bas, c'est l'araignée qui me saute dessus. Comme dans le film. Il ne voit pas grand chose, je vais essayer de vous rapprocher à la console. Mais c'est Space. Voilà, j'espère que vous verrez hein, sur le montage. J'ai réglé les contrastes. Alors, on va cliquer sortie du jeu. Oui, on sort là. Il est où le stylet? Dans quel sens ça marche? Voilà, mais là, vous voyez, ça c'est quand même le truc. On va mettre deux cartouches. Deux cartouches, c'était pas mal. C'était déjà fait en Chine à l'époque. Après, les piles, je sais pas combien de temps elles durent. Hein. Bon, il faut moins de piles qu'une Game Gear. Alors, ces piles, je sais pas où il les a trouvées, Spyro. J'avais aimé des piles Big M. Il y a le Big McDonald's, oui, mais Big M. Je sais pas trop. Ah, il y a une prise casque aussi, j'ai oublié de vous le dire, tiens. Donc voilà pour la console, là, vous pouvez vous voir ce que ça vaut un petit peu. La Gamecom, hein, ça vaut pas grand-chose, n'en achetez pas une. Je vais éteindre pour économiser les piles. Donc je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu en émulation sur Bethesda, vous allez voir un peu ce que peuvent donner certains jeux. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas évident de vous montrer l'écran, et même en émulation, vous allez voir que c'est pas terrible, j'ai récupéré pas beaucoup de jeux. Même sur Bethesda, c'est un peu chiant à jouer. J'ai mis le Fighter Megamix comme il y a dans la console, le Sonic Jam et le Duke Nukem 3D, on va aller voir le Sonic Jams. Voilà, donc en émulation, les couleurs sont mieux, mais vous allez voir quand même des fois le jeu bug. On a l'interface que je vous ai montré. Cartouche, phonebook, alors pas accéder au phonebook, mais voilà, c'est compliqué de taper un nom. Vous avez le jeu de solitaire. Alors avec le manette de Xbox, c'est pas évident parce qu'il faut appuyer en même temps sur le stick gauche et le bouton A. Voilà, bouton A ou B. Allez, la cartouche se lance. Mais Sonic, pourquoi tu t'es perdu chez Tiger? Les bips sont jolis. Hein. On peut choisir le jeu. Regardez comme c'est beau. Sonic 3, je sais pas lequel est l'autre, et Sonic Knuckles avec Sonic 3. On peut choisir Sonic, Knuckles, Tails. À prendre Sonic. Voilà. Alors, c'est marrant, sur celui-là, j'ai pas le son. Ah, c'est parti. Bon, c'est peut-être l'émulation qui bug, hein. Mais vous voyez que même en émulation, c'est. C'est pas terrible. Écoutez cette musique. Là on a la musique. Ah, et la musique est repartie. Bon, ça c'est peut-être l'émulation, hein, comme dirait Arunutaku. L'émulation, c'est pas parfait. Et la vraie console, j'ai pas le Sonic dessus.
Et voilà ce que ça peut donner, quoi. Mon pauvre Sonic, où est passée ta vitesse légendaire? En plus, ils ont mis des rochers tous les 3 mètres. Allez, saute petit Sonic. Il n'arrive pas à monter la pente. Ah, le bruit du ressort. Voilà, il y a des gens qui ont dû se faire avoir, les pauvres, ils ont dû acheter cette console. Enfin, je pense que c'est les parents qui ont dû l'acheter. Bon, on va quitter le jeu, et en plus je peux même pas quitter le jeu, parce que si j'appuie sur Select et Start... Ah là, ça l'a fait, mais des fois, ça le fait pas, il faut mettre le clavier sur un Bethesda PC. Frogger, on va pas regarder. Hein. Fighter Megamix, il y a Duke Nukem aussi dessus. Tiens, on va regarder Duke Nukem d'abord. Tu. Tiger. Game Compactive. Waouh, c'est magnifique. Alors, je me perds toujours. Donc en fait, c'est la touche B. Voilà, j'arrive pas à trouver la combinaison, hein. Je crois qu'il faut double-cliquer dessus. Et vous voyez que des fois, il y a des traits verticaux de temps en temps qui apparaissent. Tatatam, tatatam. Ah, je vous laisse écouter la vraie musique. Duke Nukem. Piece of kick. Damn, that's the second time. Je crois qu'ils ont massacré toutes les licences connues, malheureusement. Bon. Alors, est-ce qu'on peut tourner? Attendez, j'encule. Ah ben, on n'y voit rien, c'est le brouillard. Ah là, je peux changer d'arme. Ouvrez la porte. Voilà. Damn. Allez, les space cochons. Ah, j'ai plus de munitions, en fait. J'ai plus que le coup de pied. Bon, vous voyez, j'ai la chance, parce qu'à l'époque, Spyro, il avait pas l'émulation, hein, donc il avait montré la vraie console. Enfin voilà, on va aller voir le Fighter Megamix. Hein. Voilà. Ah, je fais que 3 jeux, hein, je suis pas fou. Je crois que c'est pire que la gamette. La gamette, c'était moche, mais il y avait un jeu qui ressemblait un petit peu à Totoro. Alors. Non, en fait, je crois que c'est double clic. Double clic. Voilà, alors là, comparé à la vraie cartouche, c'est moins flou. Mais vous avez, il y a toujours une ligne de temps en temps qui apparaît, une ligne verticale. Voilà, parce que sur la console, ça fait flou quand les personnages apparaissent. T'as toujours une magnifique musique. Allez, mais on dirait qu'il y a une aubergine devant. Et on va prendre Pie. Ouais, course va. Ready. Ah, je sais pas à quel point on peut louper une machine comme ça, quoi. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de coups. Comment ça, KO? Mais attendez! Attendez, j'ai à peine je commence! C'est quoi ce truc de brin? Allez! Mais non! Donc voilà, petit aperçu des jeux, hein, j'ai pas insisté dessus. Même en émulation, hein, si vous voulez, sur Bethesda, on peut y jouer, mais. Enfin, vous pouvez y jouer. Je vous la conseille pas, quoi, c'est. C'est vraiment un truc à éviter. Et voilà, regardez donc la console. Je remercie encore Spyro, hein, qui m'a prêté sa machine. Voilà, c'est bien de pouvoir montrer une vraie machine. J'ai déjà montré la PC Engine LT, la GT. Bientôt, je montrerai aussi d'autres machines. Grâce à mes amis. C'est bien sympa tout ça. Et là, j'ai pu vous montrer cette console, je vous ai montré quand je vous ai montré le Homebrew Castlevania. Voilà, un truc qui est sorti, je vous l'ai dit, bien après la Game Boy. Il y a 8 ans après. Avec très peu de jeux, des jeux pas terribles. Alors comment on met le jeu déjà comme ça? Bon,
le truc innovant, voilà, les deux ports cartouches. Ça, c'était innovant, mais la console est pas moche. Mais l'écran de mauvaise qualité, la programmation de mauvaise qualité. Ça a été un beau flop de Tiger, et même les sorties des jeux LCD qu'ils ont réédité, j'avais testé un sur ma chaîne il y a un an ou deux. C'était pas terrible quand même. Donc en tout cas, écoutez, voilà pour votre culture, maintenant vous savez comment est la Gamecom, vous en avez vu une, vous avez vu sa taille. Allez voir la vidéo de Spyro, il y a aussi une vidéo de Michel Scusi Beautiful où il testait les jeux en émulation. Il y a d'autres vidéos sur internet. Et voilà, donc moi je vais tout remballer pour tout renvoyer à Monsieur Spyro, oui, ne pas perdre de stylet surtout. Parce que ça, je pense pas qu'on en trouve sur AliExpress. C'est pas comme ceux de la DS. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!